Soleil FM. Couleur pays, c'est avec Nicole sur Soleil FM. Vous êtes de ceux qui font bouger notre région. Associations, écrivains, conteurs, chanteurs et acteurs de notre vie. Cette émission est la vôtre. Appelez Nicole et intervenez en direct sur le 89.3. Soleil FM 04 75 92 03 03. Soleil FM. Bonjour à vous toutes et vous tous. Ce matin, j'ai le grand plaisir de recevoir Thierry Balois. Il a traversé le Rhône, il vient depuis Metz, pour vous parler de son livre Ardèche 2. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Vous êtes un écrivain, vous êtes aussi, il faut le dire, un cheminot. Oui, tout à fait. Il y a des sujets que nous n'aborderons pas ce matin, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord. Je plaisante. Bien, ce livre, c'est le second livre. Vous appelez cela mes secondes nouvelles d'Ardèche. L'Ardèche, c'est votre pays, vous le portez au cœur ? Oui, j'habite en Ardèche depuis enfant, et c'est une terre à laquelle je suis attaché. Et effectivement, j'ai voulu la mettre en valeur par des textes dans lesquels elle est à l'honneur, mais aussi des amis, des camarades, des parents, des proches, avec beaucoup de clins d'œil. Vous écrivez comment ? Au gré des mots, comment ils arrivent ? J'ai lu à certains endroits que vous aviez toujours un papier et un crayon dans la poche. Oui, tout à fait. Disons que l'inspiration est présente un peu partout, puisque c'est vrai que j'écris tous les jours, enfin plutôt la nuit, mais c'est vrai que l'inspiration est toujours présente et je considère qu'on peut écrire de tout et à tout moment, et il suffit d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir qu'il y a tant à écrire. Vous vous corrigez beaucoup ? Oui, j'aime bien quand même venir et revenir sur mes textes pour quand même qu'ils soient aboutis et qu'ils fassent passer les messages que je souhaite. Moi qui suis une amoureuse du français, je trouve que vous écrivez bien. Ben, je vous remercie. Non, mais c'est facile à lire et puis ça parle. Oui, je ne cherche pas des textes compliqués, ni philosophiques, ni trop extravagants. Je préfère rester dans l'authentique, la sincérité, tout en usant quand même et profitant de la puissance des mots, parce que les mots sont puissants. Est-ce que vous vous êtes obligé de faire des recherches pour vos livres ? Remonter dans la généalogie, toutes ces choses-là ? Des recherches, il m'arrive d'en faire, effectivement. Ça dépend ce dans quoi je suis lancé. Ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Vous touchez de près certaines histoires de famille ? J'ai toujours un peu de pudeur, quand même. Même si on... Vous craignez de blesser ? C'est pas de blesser, mais c'est aussi le fait du jardin secret de un peu de le conserver. C'est-à-dire qu'il s'agit d'écrire des situations, mais de pas trop franchir le seuil de. Enfin, il y a une pudeur qui est présente. Et... Là, il y a 18 nouvelles. Ce n'est pas un roman, ce sont des nouvelles. C'est un choix que vous avez fait. Vous ne pourriez pas écrire un roman, peut-être aussi ? Alors, les nouvelles, c'est vrai que c'est une première vraie expérience, puisque j'ai commencé à vouloir éditer mes livres par le biais des nouvelles, et c'est un excellent concours dès l'instant où il y a un cadre, il y a un sujet, il y a un thème et une orientation. Donc il y a un début, une chute qui doit toujours être ouverte et un peu franche, et ça permet de cadrer et de travailler, d'affiner un texte. Par contre, en ce qui concerne les romans, j'en ai déjà rédigé deux qui sont encore à l'état de maquette, mais que je peaufine. Ils aboutiront un jour ? Je l'espère, oui, l'espère. Vous viendrez me voir ? Bien sûr, sans souci. Je voudrais aussi ajouter ceci, c'est que vous avez une autre carte, à votre arc, et c'est pas de la moindre, parce que c'est un engagement citoyen, puisque vous êtes conseiller municipal du village de Maïs. Oui, tout à fait, oui. Je suis conseiller municipal, et d'ailleurs je salue toute l'équipe de mon conseil, qui depuis le début de l'année ne me voit que peu, malheureusement, vu que je suis pas mal engagé par ailleurs. Et oui, c'est un engagement. Vous vous occupez, je le sais, du CCAS. Oui, C'est le social qui vous tient à cœur.
Oui. Disons que Monsieur le maire Éric Cuer, qui est un ami de longue date, m'avait sollicité pour rejoindre le conseil, enfin son équipe. C'est votre premier mandat ? Premier mandat, oui, tout à fait. Et bon, j'ai accepté bien sûr sa proposition. Et c'est vrai qu'au niveau du social, le fait d'être tourné vers les personnes, que ce soit nos retraités dans les animations qu'on peut leur fournir ou les personnes en difficulté, c'est vrai que ça me tient à cœur. Sur Maïs, vous avez des personnes en difficulté ? Oui, comme partout, hein, en fait. Les difficultés, celles qui sont les plus comment dire, marquantes. Oui, ce sont pas forcément celles qui se savent, donc. Qui sont le plus en vue. Voilà, tout à fait. Donc c'est de la détresse sociale, malheureusement, il y en a partout. Il faut y aller sur la pointe des pieds parce qu'il ne faut pas blesser. Il ne faut pas que ça se sache. Oui, il faut de la discrétion, faut de la sincérité, faut de l'écoute. Et avec Marie-Jo Lossel, qui est la présidente du CCAS, ça se passe très bien et de manière très professionnelle et discrète. Vous pouvez par exemple monter des dossiers pour une personne qui part à la retraite ou une personne qui est en difficulté, qui n'arrive pas à ses fins de mois. Oui, on est amené à ce genre de situation, oui, tout à fait. Vous avez fait un choix qui m'enchante, surtout pour le début, puisque c'est Jean Ferrat avec Ma France. Ferrat, pour vous, c'est le chantre de l'Ardèche ? Oui, c'est le chanteur engagé, c'est la richesse du verbe aussi, c'est l'humain, voilà, les mots. Et c'est aussi beaucoup d'images qui me viennent à l'esprit. Le fait effectivement que ce soit venu à Entraigues. Il y a un côté social si on écoute bien. Bien sûr, voilà, le champ est très 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 large et c'est un auteur, un artiste complet. Thierry, je vous remercie d'avoir choisi Ma France parce que c'est une de mes chansons préférées. Je trouve que Ferrat, il dit tout. Belle musique, belle parole. Oui, belle parole, beau témoignage, belle discrétion. Enfin, à l'image de l'Ardèche. Voilà. Je rappelle votre livre qui s'appelle Ardèche 2, mes secondes nouvelles d'Ardèche. Alors, sur le dos du livre, il y a « L'Ardèche n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Ses êtres vivants et le souvenir précieux de ceux disparus partagent cette nature délicieuse, mais parfois hostile, à l'image de l'homme. » Il est vrai que l'Ardèche n'est pas toujours facile. Nous en savons quelque chose au travers peut-être de nos arrière-arrière-grands-parents qui sont venus, comme disait mon arrière-grand-mère, au bon pays. Le bon pays, c'était la Drôme. Pourquoi ? Parce que c'était plat. Donc, et oui, il y avait travailler dans les failles, ça c'était pas rigolo. Maintenant, le travail est tout à fait différent. Vous êtes cheminot. Oui, c'est tout un à beau fait. Mot. Oui. Hein ? J'en suis fier d'ailleurs. Et cheminot aussi, c'était le nom des gens qui prenaient la route. Ils cheminent, oui. Voilà. Tout à fait. Vous êtes affecté sur Montélimar. Oui, tout à fait aussi. Et on ne s'étalera pas davantage. Et je rappelle donc que votre livre s'appelle « Mes secondes nouvelles d'Ardèche ». Alors il y a quelque chose qui va se produire, c'est que vous allez faire une signature, m'avez-vous dit ? Oui, prochainement, une séance dédicace qui va avoir lieu au Teil, à la Bibliothèque des Cheminots, le 27 avril à venir, à 11h. La Bibliothèque des Cheminots est dans la gare ? Oui, alors c'est dans le bâtiment côté nord, à l'extrémité nord de la gare. Oui. Bien, vous en ferez part à Serge, qui en fera part à nos auditeurs. Oui, tout à fait, je transmettrai, oui. Nous sommes à votre service. Mais, de même que je vous ai dit que... Je voudrais bien avoir des liens avec le conseil municipal, avec les gens qui œuvrent pour le CCAS de Maïs. Maïs aussi est riche en histoire, contrairement à ce qu'on croit. Vous avez des monuments anciens ? Oui, on a des vestiges, comme la vieille église Saint-Jean-Baptiste du XIe siècle, qui a été entièrement rénovée par la commune depuis un peu plus de 2 décennies maintenant. Et effectivement, c'est un très beau monument qui accueille des concerts, des expositions de peinture, qui est ouverte au public. C'est un petit joyau au cœur du village. C'est celle qui est à l'intérieur du village ? Oui, oui. Parce qu'il y a l'extérieur. Alors, elle se nomme de la même manière. C'est l'église Saint-Jean-Baptiste également, mais qui est au bord de la RD 86. En montant sur Creuse. C'est ça, tout à fait. Ah bah, je connais bien. Hein. Oui, je vois que vous connaissez, oui. L'Ardèche, j'aime beaucoup. Bon, un jour, on m'a reproché, on m'a dit « Tu fais plus d'émissions sur l'Ardèche que sur la Drôme. » C'est peut-être parce qu'il y a plus de choses à dire. Non, mais je suis méchante. Faut pas exagérer. Je rappelle donc votre livre « Ardèche 2 ». Et vous avez voulu ce second volume ? Oui, parce que... Vous n'aviez pas tout dit dans le premier ? Voilà, il y aura certainement un troisième, même si j'écris d'autres ouvrages. Mais c'est vrai que ce sont des livres, des nouvelles qui se lisent très facilement dans la mesure où
chaque histoire a sa particularité, est en lien direct ou se déroule en Ardèche ou en lien avec l'Ardèche, mais qui donne une dimension propre. Enfin, chaque texte a sa propre dimension. Vous partez comment dans votre écriture ? Alors, comme je le disais, sur les nouvelles, à propos des nouvelles, il y a toujours un thème, un cadrage. Donc, je participe. Mais vous le trouvez comment, ce thème ? Je le trouve par le biais de sur Internet, effectivement. Mmh. Il y a des appels de communes ou des associations, de clubs de lecture qui ouvrent des concours au plus large public. Hein. De même que j'ai pu participer à des concours en Belgique et au Canada. Et j'ai un texte qui s'intitule « Cœur de volcan » qui a pu être retenu à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, l'année dernière. Sur le volcan, ça parle du Chêne-Marie ? Indirectement, puisque c'est en fait plus la rencontre entre un homme et une femme et qui devient une relation un peu volcanique. Explosive ? Oui, mais explosive dans le bon sens. Oui, parce que le Chêne-Marie, on connaît bien. Hein. Oui. On en est fiers même. Et puis il y a Meiss, il y a toutes ces maisons qui sont construites avec des restes de lave, je ne me trompe pas. Oui, de la pierre volcanique, oui. Du Lavezon, oui. Oui, le Lavezon. Il n'y a pas beaucoup d'eau en ce moment. Il y en a un petit peu quand même, oui. On espérait, enfin, ce serait bien qu'il y en ait un peu plus, puisque c'est assez sec, mais il y a quand même de l'eau. Oui, nous l'enjambons quand nous montons à Cruers, par exemple. Oui. Ou bien que l'on part sur Chaumérac. Chaumérac, oui. Voilà. Tout à fait. Comment on vit à Meiss ? Ben, comment vit-on à Meiss ? Précise, vous avez trois enfants. Oui, trois enfants et... Et ben une femme, bien sûr, oui, qui est là ce matin. Oui, qui m'a fait le plaisir de m'accompagner. Non, on vit très bien. Le village est en cours de transformation, entre guillemets, puisqu'il s'agrandit et comment dire, que ce soit des structures médicales qui vont être créées ou la nouvelle mairie, il y a énormément de projets qui prennent forme et c'est vrai que c'est signe quand même d'une activité assez importante et où il vous bénéficiez, excusez-moi, de la manne de Cruas. Oui. Donc c'est la maison d'assistante maternelle, oui. À laquelle travaille mon épouse. Et je crois savoir que les quatre assistantes ont 14 enfants, il me semble. Oui, mais quand je dis de la manne, je veux dire financièrement. Ah pardon, j'ai pas compris. J'ai compris, excusez-moi. Ça vous aide ? Oui, ça y contribue, mais l'équilibre qu'il y a actuellement avec les communautés de communes, enfin la communauté de communes, permet quand même de réguler les investissements. Vous dépendez donc, vous le dites, de la communauté de communes. C'est la communauté de communes qui porte quel nom ? Parce que par exemple, il y a, je ne sais comment, les Barès, c'est pas vous ? Alors c'est l'ancien nom de l'ancienne communauté de communes. Aujourd'hui, c'est l'ARC, c'est l'Ardèche Rhône-Couaron, qui regroupe les deux communautés de communes de Barès-Couaron et d'Elvie. Vous montez plus haut ? Ça descend plus bas. Enfin, voilà, ça... Non, mais je pense pour le Couaron. Ah, pour le Couaron, oui, c'est... Oui, c'est... Oui. Qu'est-ce qui vous fait particulièrement aimer l'Ardèche ? Ben, c'est sa diversité. C'est... Bon, pour y avoir grandi, j'y vis depuis l'année 1978. Et c'est sa diversité, ses facettes différentes. Et ce côté aussi, un peu à l'image des caractères humains, c'est-à-dire tantôt bien, tantôt difficile, tantôt colérique, abrupt, oui, ou tantôt docile, lorsqu'on est sur une plage à Soz, par exemple, ou à Saint-Martin-d'Ardèche. Et le plateau ardéchois. Donc il y a la diversité qui me plaît comme elle me plaît chez l'être humain, hein, c'est-à-dire. Oui, on m'a dit que vous étiez un humaniste. C'est un beau mot. Voilà, oui. Que vous aimiez l'humain. J'aime l'humain. Enfin, je suis humain. Vous avez choisi Voulzy avec Recollections, c'est votre jeunesse ? C'est ma jeunesse et puis mon attachement aussi au rock'n'roll. J'adore le rock et bien souvent avant d'écrire... Vous écoutez un rock ? J'écoute du rock, oui. C'est bien. Thierry Balois, notre invité ce matin, il dit qu'écrire, c'est dessiner une foule de mots et lire, c'est s'envoler encore plus haut. C'est vrai ? Oui. La lecture permet l'évasion. Oui, la lecture permet l'évasion, permet de s'échapper du quotidien qui peut parfois être un peu difficile, douloureux,
C'est un moyen d'évasion. Vos nouvelles, il y a de tout. C'est un peu un tutti-frutti. Oui. Vous prenez pas mal. Ah non, mais je vous en prie. Il y a des sentiments, il y a du noir. Et je me demande même, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, on pourrait en tirer de certaines, peut-être pas de toutes, mais de certaines, des téléfilms pour la télévision. Alors, je vais pas vous cacher que c'est vrai que lorsque j'écris et qu'il y a une dynamique qui s'installe avec des scènes plus ou moins suggestives, vous avez une idée derrière la tête. C'est assez souvent que je me plais à penser que une scène, oui, télévisée, enfin une nouvelle puisse être. Vous avez proposé à certains? Non, du tout, non. Pas encore. J'en suis pas encore là. Plus préoccupé à écrire, non pas par obligation, mais par plaisir, hein, parce que c'est vrai que c'est comme un besoin, c'est systématique. Ce matin, j'ai encore écrit. J'écris, on pourrait ainsi dire, tout le temps. Mais non, je n'ai rien proposé pour le moment. C'est un peu trop tôt. Bon, ça viendra peut-être, mais on verra. Il suffit simplement de trouver quelqu'un. Mais il y a des metteurs en scène en Ardèche, hein, vous le savez. Oui, mais je n'en doute pas, mais je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus encore. Oui. Mais essayez, vous verrez. Okay. Nous apprécierons parce que ce n'est pas toujours qu'il y ait de très bons scénarios. Hein. C'est mon jugement personnel, d'accord. Je le répète. Bon, je disais qu'il y avait des sentiments, il y a du noir aussi. Et vous avez cette chance, c'est que vous avez une maison d'édition. Parce que je connais beaucoup d'auteurs qui écrivent et qui ne trouvent pas se faire éditer. Oui, alors pour se faire éditer, c'est loin d'être facile, c'est même très difficile. C'est un combat, oui, il faut persévérer, ne pas lâcher. J'ai eu la chance donc d'avoir cette maison d'édition qui a pu m'éditer. Ça s'appelle Edilivre, c'est ça ? Edilivre, oui, tout à fait. Donc c'est une maison d'édition participative, mais très d'un principe très aisé, qui ne coûte rien. C'est vrai que j'ai essuyé beaucoup de refus par les maisons. Pour citer l'exemple de la maison Albin Michel, qui reçoit 5000 manuscrits par an, elle procède la maison de la façon suivante, c'est qu'il y a une présélection de livres, environ 800, qui sont étudiés par des jeunes étudiants ou par un comité de lecture professionnel. Et Ardèche 1, donc le premier ouvrage de la première série, a eu la chance d'être retenu dans les 800. Donc bon, je n'ai pas eu la chance d'être retenu à l'édition, mais... Dans l'émission, c'est quand même une bonne note. C'est ce que je considère aussi, oui. Voilà, pour la petite anecdote. Je vous le dis, bon, franchement. Là, votre livre est au prix de 12 euros. On le trouve où? Alors, on le trouve en commande sur les sites de la FNAC, Amazon, depuis toutes les librairies de France aussi, et chez l'éditeur directement, Edilivre à Saint-Denis. Et au bureau de Tabac de Maïs? Non, pas au Tabac de Maïs, non, je ne pense pas. Non. C'est un tort? Oui, il faudrait développer le créneau, peut-être. Je, oui, je vous donne une piste. Hein. Oui, je l'entends bien, merci. Vous vivez comment à Maïs? C'est très indiscret. En famille, vous avez trois enfants. Oui, écoutez, on vit bien. Enfin, c'est un village relativement calme, à proximité de Montélimar. Pas très loin non plus de Privas. Et où la nature est de suite à nos portes. C'est vrai. Donc vous on avez cette chance. Tout à fait, oui. Ce matin, vous êtes accompagné de votre plus jeune fils, qui va en classe à Maïs, il m'a dit, et j'ai entendu dire qu'il travaillait très bien en classe. Donc d'avoir un père qui se lève la nuit pour écrire, ça ne le perturbe pas. Oui, bon, d'un autre côté, je ne fais pas de bruit. Hein. Non, mais oui, ça se passe bien pour lui, et je suis très fier de lui, puisque c'est vrai qu'il a des bonnes appréciations de sa maîtresse, et... C'est qu'il continue comme ça, voilà. C'est bien. Vous avez voulu Bachung, la nuit je m'rangue. Le ciel est rougeoyant, tel que je l'aime aux aurores. La maison endormie est fermée à double tour, il fait frais, et déjà mon esprit s'impatiente de s'enfuir. On se sent bien, seul avec son sac à dos à entreprendre une randonnée. Oh, je n'irai pas très loin. Juste gravir la montée de la citadelle jusqu'à la maison du Ness,
atteindre la terre guillonnée et ses crêtes brunes qui m'interpellent. C'est donc un extrait très court de la nouvelle Boomerang de Thierry Balois. Alors je rappelle que vous trouvez ce livre sur internet, c'est ça? Oui. Voilà. Et puis je lui ai suggéré ce à quoi il n'avait pas pensé, c'est bien un artiste, le bureau de tabac de Maïf. Oui, je vous en remercie, Nicole. Voilà. Je ne vous demanderai pas de pourcentage. Voilà. Je voudrais savoir depuis quand vous écrivez. Alors, depuis quand j'écris ? J'écris, pour ainsi dire, depuis toujours. Je disais encore, c'était la semaine dernière, chez mon amie Sylvie Villette, au 80 à Maïs, anciennement les 4 sous, que l'écriture était, quand j'étais gamin, même le mode d'expression que j'avais en priorité par rapport à la parole. C'est vrai que j'écris, j'ai toujours aimé écrire. Plus écrire que parler ? Non, j'aime autant parler, hein, c'est pas. mais c'est vrai que l'écriture est venue très tôt et j'ai peut-être inconsciemment plus privilégié l'écriture à l'échange par la parole. Est-ce que vous considérez que écrire c'est un don ? Je considère plutôt que d'écrire est le don de tout le monde. C'est-à-dire que. Il faut exploiter. Voilà, il faut l'exploiter, il faut se lancer, il faut avoir un sujet en tête aussi. Mais tout le monde peut écrire et d'ailleurs j'encourage tout le monde à écrire. Ou pour soi, ou pour des parents, ou la famille, enfin l'entourage. Mais écrire est donné à tout le monde. Il s'agit juste de se lancer. Et... Votre femme a de la chance, vous avez dû lui faire de belles lettres d'amour. Alors si vous saviez, les placards, comme ils sont pleins de lettres, notamment quand j'étais au service militaire, vous seriez étonné, oui. C'est bien, hein. Parce qu'il oui. Y en a qui n'écrivent pas. Oui, c'est... Mais disons que je préfère écrire que d'être devant la télévision. Enfin voilà. Mais vous préférez écrire plutôt que de dire? Oui aussi, mais il y a un temps pour tout. C'est vrai que après il s'agit de trouver un équilibre. Mais... Un temps pour vivre et un temps pour mourir. Voilà, oui. Dit, voilà. Mais bon, de mon vivant, je compte écrire beaucoup. Voilà. vous laisserez donc un héritage à vos fils. Oui, oui. Je parle oui. pas d'argent, mais je parle de littéraire. Oui, bien sûr, oui. Mais il y a une transmission. Hein, c'est d'ailleurs dans mes nouvelles, il y a des foules. Je dis des foules parce que elles sont nombreuses. Toutes les petites remarques, tous les clins d'œil que j'adresse à des parents, des proches, des personnes que j'apprécie, des personnes disparues, comme j'ai pu le noter. Et c'est aussi une transmission. C'est de laisser une trace, mais d'adresser aussi des clins d'œil aux personnes que j'affectionne le plus. Oui, vous dites que écrire, c'est transmettre et c'est aussi donner la mémoire. Oui, oui, oui. Donner, j'ai même envie d'aller pousser plus loin en disant que c'est même un devoir de mémoire. C'est lorsque je parle de nouvelles, j'évoque l'univers des cheminots, des univers de camionneurs qui partent loin, des vagabondages ou des gens qui travaillent dans l'ombre qu'on ne voit pas, mais qui ont une intensité de vie et qui sont nécessaires justement dans l'intérêt de tous. C'est très, ça m'apporte beaucoup. C'est très enrichissant à transmettre. Tous les modestes. Oui, oui, c'est oui les modestes qu'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre et dont on a besoin. Oui, hein? Exactement, oui. Parce que c'est eux qui font tourner la machine. Oui, 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 ils font tourner la machine, ils contribuent à faire ce que l'on a, ce que l'on est et ce que l'on sera aussi. Est-ce que vous écrivez sur les agriculteurs? Ça m'est arrivé, oui, d'écrire, oui, sur les agriculteurs. Ce sont ouais, des personnes indispensables à la société et aujourd'hui, on a besoin aussi de plus d'humanité dans cette société. Enfin, l'humanité, c'est un mot qui revient chez vous. Oui, oui, c'est un mot, mais plus qu'un mot, c'est une essence. C'est une philosophie. Oui, oui, oui. C'est important, quoi. C'est crucial. Sans humanité, on n'avance pas. On n'est pas fait pour vivre seul. Et Dieu sait s'il faut avancer. Et il faut avancer, oui. D'accord. Vous avez choisi Gainsbourg. Pourquoi Gainsbourg ? Requiem pour un con ? Oui, parce que Gainsbourg, c'est quelqu'un d'atypique. C'est un artiste dont on ne soupçonne pas même... J'arrive même pas à définir ce qu'il représente tant il représente. Je crois beaucoup. Qu'il faut bien écouter les paroles de Gainsbourg. Il faut bien écouter les paroles, vous avez raison. Il y a la musicalité, il y a aussi cette vie très intense qu'on sent et qu'on caresse en écoutant. Qu'il a brûlé des quatre bouts. Oui, mais pour un art, pour quelqu'un de très complet. C'est un artiste. Envers qui j'ai en main le livre de nouvelles, le second tome d'Ardèche. J'ai demandé à Thierry pourquoi Ardèche. Il m'a dit que c'est venu tout naturel. Naturellement, oui, oui, tout à fait.
quelques lignes, si vous le permettez. Je vous en prie. D'une nouvelle qui s'appelle Castagne. Nous sommes dans le sud de l'Ardèche, au nord du Teil, grande cité historique des chemins de fer, direction Saint-Martin-sur-l'Aveson, la Bastide. L'automne est bien installé. Le Mistral souffle dans les virages serrés. La voiture grimpe à faible allure vers le coiron de mon enfance, saluant là le château de Pampelonne. Sans m'attarder, je file au pic d'Allier, Chandelin rejoignant Ajoux. Et là, comme par magie, je change d'univers. Très vite, les somptueuses châtaigneries m'enveloppent amoureusement, coupant le bec à cette piste étroite de méandre, piquée d'ornières maintenant, ma suspension oxydée. Vous êtes en même temps qu'un écrivain, alors vous le permettez, un poète. Ah, merci du compliment. Non, mais c'est très agréable. Je sais que beaucoup de personnes sont comme moi. Quand on lit un livre, ou alors c'est un policier, il n'y a pas de poème, il n'y a pas de mots. Mais là, vous avez des mots, vous savez bien les choisir. Est-ce que vous faites très attention aux répétitions ? Alors oui, comme tout auteur, j'évite de les reproduire. C'est pour ça qu'il est... Je pars et partir. Oui, oui. C'est vrai que voilà, j'évite de faire des répétitions, donc d'où l'intérêt de lire et relire et de recorriger, parce que un texte brut ne peut pas être livré à un lecteur en l'état. Donc voilà, je reviens souvent dans des corrections sur mes textes. Nous avons dit que vous aimiez l'Ardèche, et on le sent au travers de ce second ouvrage. Vous avez une séance, je vais vous... faire un peu de publicité, vous permettez, puis Serge continuera dans la semaine. Oui, allez-y. Alors, vous, à la Maison des Cheminots ? Oui, à la Bibliothèque des Cheminots, bibliothèque. Oui. C'est là où se retrouvent tous les cheminots ? Non, c'est la Bibliothèque des Cheminots, en gare du Teil, qui assure une permanence tous les vendredis matins. Il y a beaucoup de retraités du chemin de fer au Teil ? Oui, il y en a beaucoup, oui, en effet, puisque l'entreprise, il y a environ 80 ans, comptait 500 000 cheminots. Aujourd'hui, on est au national 140 000. Donc, effectivement, il y a beaucoup de retraités, des sections d'Aubenas, du Teil, Montélimar. Tous ont des souvenirs ? Oui, 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 des souvenirs très, très chaleureux. L'époque de la rotonde, par exemple. L'époque de la rotonde, l'époque où le triage était composé de trains complets au départ de Nîmes ou de Givors. Et c'est vrai qu'il y a tout un pan du patrimoine auquel ils sont attachés, ils sont nostalgiques et dont ils espèrent demain voir rétabli par un trafic voyageur. Oui, moi, je vais vous surprendre peut-être, mais les deux choses m'intéressent, et les voies ferrées de l'Ardèche et le canal du Rhône. Et je trouve que, je vais employer le mot que j'emploie souvent, c'est que le canal n'est pas assez labouré par le ventre des bateaux et que nous sommes encombrés par les véhicules. Parce que quand je vois dans le Teil, parce que j'y vais assez souvent, ce trafic de camions, c'est effrayant. Vous êtes d'accord ? Ah oui, je partage, oui, tout à fait. Vous êtes pour la déviation ? Oui, oui, je suis pour. Hein. D'ailleurs, je soutiens tous les amis, parents et camarades qui sont justement mobilisés pour que cette déviation se fasse. En effet, la traversée des villages et des villes dans le couloir rhodanien, ça devient un enfer. On va prendre Viviers par exemple, c'est infernal. C'est terrible, oui, c'est terrible, c'est terrible. Et c'est vrai qu'à l'heure où la planète se dégrade de manière considérable, l'alternative du rail, donc du chemin de fer et du fluvial doivent revenir au centre des réflexions. Au centre de nos préoccupations. Tout à fait. Et de la préoccupation de ceux qui nous gouvernent. Je dirais même que c'est aujourd'hui la préoccupation. Il est certain qu'on ne peut pas laisser à nos générations futures une telle planète se dégrader. Le Teil, par exemple, ce nouveau quartier de la Rotonde, vous êtes pour ? Bon, je ne suis pas contre dès l'instant où... Moi, je trouve que c'est une belle réalisation. C'est une belle réalisation parce que l'activité économique a une part importante. Cela crée des emplois, cela crée de la richesse, cela crée aussi de l'attractivité. Donc une émulation. Oui, aussi. Et c'est pour moi une bonne chose, oui, tout à fait. Et puis, je prends par exemple la Rotonde, je n'en dirai pas plus, mais c'est ce qui s'est fait à la place, c'est très bien. Oui, alors ce sont des monuments qu'il faut effectivement préserver. Il y en a énormément, hein. Le patrimoine de la SNCF est considérable. Nous, cheminots, en tout cas, y sommes très attachés. Comme vous disiez, les anciens ont de précieux souvenirs sur ces sites. Et nous aussi, on véhicule cette transmission. J'essaie aussi dans mes textes de l'introduire et de le dire. Et de le dire et de faire travailler ce devoir de mémoire. De même qu'il faut aussi, c'est
pas tout à fait de votre côté, mais la farge, c'est très important. Alors, du côté de mon épouse, son papa était un ouvrier de la farge, oui, tout à fait. Il est né à la farge, et c'est vrai que des parents sont de la farge, et on a un attachement particulier aussi au cimentier. Bien. Et on a une pensée pour Yvonne Leclerc qui travaille beaucoup sur la farge. Oui. C'est ma copine, voilà. Bon, le recueil de nouvelles de Thierry Balois, Ardèche 2, mes secondes nouvelles d'Ardèche. S'il vous plaît Thierry, on a eu un coup de fil, on demande le lieu de vente. Alors le lieu de vente depuis toutes les librairies en commande, à la FNAC et sur les sites aussi internet d'Amazon. Nous, simples mortels, nous pouvons y aller. Oui, bien sûr. Vous ne faites pas de dépôt chez les libraires de Montélimar? Non, pas pour le moment, non. Il faudrait peut-être voir. Oui, il va falloir que je creuse la question. Tout parce que si des gens comme moi veulent acheter vos livres, moi je n'ai pas internet et je ne veux pas l'avoir. Bon, je m'en sers à la radio. Promis Nicole, je vais me rapprocher d'eux. Voilà, c'est ça, vous allez vous rapprocher de moi. Je vous remercie. Je vais terminer cette émission en lisant quelques lignes. Plus que des contrastes saisissants, ce sont là des séquences colorées, des messages de vie et d'espoir, des drames parfois pour ne pas céder au fatalisme de la haine, la résignation et la différence. Il faut se laisser emporter à nouveau dans ces contrées sauvages en toute liberté et en Ardèche. Il y a des mots qui reviennent chez vous. C'est le mot humain, c'est la haine, donc vous détestez ce mot-là, et le mot résignation. Alors oui. On va un peu philosopher. Oui, alors la haine tout d'abord, c'est vrai que je la condamne terriblement. C'est quelque chose que je ne supporte pas et oui, que je condamne, voilà, tout simplement. Ou si vous le rencontrez dans votre vie de tous les jours, vous l'évitez. Oui, tout à fait. La haine, et puis. Là, nous allons nous séparer. Je vais vous dire mon invité la semaine prochaine, Michel Serra. Il a une école d'esthétique, de coiffure à Montélimar. Je vous remercie, Thierry, d'être venu. Ben, merci à vous, Nicole et Serge. Voilà, bon. Nous nous séparons avec Ferrer, le Sud. Au revoir. Au revoir.